Chers élèves de 6e année de l'école Saint-Joseph de Lévis, vous n'imaginez pas à quel point c'est un honneur pour moi que d'être la personnalité que vous avez choisi de présenter dans votre vidéo dans le cadre de l'activité Anime ta francophonie. À votre âge, c'est la géographie qui me passionnait. Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé que les mots pouvaient nous permettre de voyager à travers le monde entier et que notre langue était une richesse inestimable. Anime ta francophonie, c'est un type d'activité très juste, car notre langue est en constante évolution. Encore aujourd'hui, elle ne cesse de m'émerveiller. Alors que vous travaillez tous ensemble à réaliser cette activité, j'aimerais vous faire part d'une chose que j'ai apprise et qui me guide depuis dans chacun de mes projets, et même dans ma vie. Le plus important n'est pas d'être le meilleur, c'est d'être unique. Il ne peut y avoir qu'un seul meilleur dans une discipline, mais tout le monde peut être unique. Pour y arriver, il faudra être curieux, ouvert aux autres, et sans cesse peaufiner votre travail, encore et encore. Je vous souhaite beaucoup d'inspiration et de plaisir dans ce magnifique projet. Sincèrement, Robert Lepage, auteur et metteur en scène. Très tôt, Robert Lepage découvre un intérêt pour la géographie. Il est attiré par toutes les formes d'art, mais s'intéresse particulièrement au théâtre. Il découvre la scène en jouant dans les spectacles scolaires. À l'âge de 17 ans, il entre au Conservatoire d'art dramatique. Depuis ce temps, il est salué par la critique internationale. Il bouleverse les standards en matière d'écriture. Son œuvre transcende les frontières et voilà que notre langue française rayonne hors Québec. Artiste multilingue, il exprime très bien son appartenance à la langue française en la faisant voyager sur tous les continents par le biais de ses merveilleuses créations. Ça, c'est la rue de la Couronne, pis ça, c'est la rue Saint-Joseph. Pis ça, c'est le magasin de barbier chez ton père, Morin Barbershop. Vive la langue française! Une langue qui nous tient à cœur. Continuons de mettre du cœur à l'ouvrage. Merci, Monsieur Lepage. Vous êtes...